Dans le Quercy, la nature est omniprésente. Entre la vallée du Lot, ponctuée de vignobles, et la vallée de la Dordogne, on est séduit par des villages de caractère qui rivalisent de charme sur fond de vieilles pierres. On aura l'occasion de visiter les villages de Carénac, Martel et Loubressac. Les villes ont un patrimoine remarquable. Cahors, avec sa cathédrale Saint-Étienne et son pont Valentré, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou l'extraordinaire cité de Rocamadour, perchée sur sa falaise, surplombant son canyon. Il sera bon également de flâner dans les rues de la vieille ville de Figeac. Et cerise sur le gâteau, nous découvrirons le sublime village de Saint-Cyr-la-Popie qui semble veiller sur la vallée du Lot. Prête pour aller te promener? Pour aller à Rocamadour? Rocher miraculeux, recueil d'histoires, de croyances et de légendes, sanctuaire de la Vierge Noire, lieu de pèlerinage, Rocamadour et tout cela à la fois. C'est aussi l'un des sites les plus extraordinaires qui soit. Les vieux logis, les tours, les oratoires dégringolent le long de la falaise escarpée, dominant de 150 mètres le canyon d'Alzouz, sous l'égide du fin donjon et de ses 7 sanctuaires. Non, ma chérie, on est invité chez Saint-Amadour. Sur son roc. Voilà. Et c'est le 5 qui a donné le nom à Rocamadour. Dès les premiers miracles et jusqu'à la réforme, le pèlerinage de Rocamadour est l'un des plus célèbres de la chrétienté. Les foules y accourent, avec plus de 120 miracles déjà recensés dans ses livres. Le livre des miracles de Notre-Dame assoit la réputation de Rocamadour dès sa parution en 1172. Les jours de grand pardon, où l'indulgence plénière est accordée, 30 000 personnes se pressent à Rocamadour. C'est autour de cet espace assez restreint, nommé Place Saint-Amadour, que s'élèvent 7 sanctuaires. La basilique Saint-Sauveur, la basilique Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Anne. La chapelle Notre-Dame. Appelée également chapelle miraculeuse, considérée comme le saint des saints de Rocamadour. C'est là en effet que l'ermite Saint-Amadour aurait aménagé un oratoire dans le roc. Dans la pénombre de la chapelle noircie par la fumée des cierges, on découvre sur l'autel la Vierge miraculeuse, appelée également Vierge Noire. Elle est assise portant sur son genou gauche, sans le tenir, un étonnant enfant Jésus au visage d'adulte. Arrivé au terme de son voyage, le pèlerin se dépouillait de ses vêtements et en chemise gravissait à genoux les fameux degrés.
Quel sourire, mon chéri. On voit qu'elle va manger. Ange pot velouté de potimarron et sa chantilly aux herbes, suivi d'une joue de bœuf confit au vin de Cahors, pommes grenaille, légumes de saison. Alors finalement, on a changé de menu. On a pris cette fois la carte. Donc ce sera un foie gras poêlé aux figues rôties au miel, vinaigre de noisette. Et ensuite, ce sera du gigot d'agneau du Quercy, gratin de pommes de terre au Cantal, haricots blancs confits, sans s'en va déménager, sec. Et puis un dessert au choix, donc on verra. Comprendre pour finir. Régime croquet ? Ça va être croquet ? Pardon. Un peu de foie gras, on va goûter. Oui, puis un peu de un gigot. Un peu de gigot. Alors, Totone, on est au resto ? On a faim ? Mmh. Donc c'est bon. Oh, elle aime son papa. Oh, papa, c'est le copain d'aujourd'hui. Hein. Donne ce foie gras poêlé, ma chérie. Merci. Superbe. T'arrives plus à parler, là. Gigot d'agneau du Quercy. Et ses accompagnements, légumes. Haricots. La purée. Du gigot. Ouais. Regardez ça comme il a le sourire. Il est heureux. Il n'a pas la main sur le ventre, mais presque. Dôme au chocolat de Rocamadour. Situé à 70 mètres au-dessus des sanctuaires, le château de Rocamadour offre aux visiteurs un panorama exceptionnel sur la vallée de l'Alzou et une vue vertigineuse sur la cité. Swanny ! Alors, Totone ? Tu es au château de Rocamadour. Quand même, sur les remparts, elle a de la chance.